Salut tout le monde, c'est Tac47 et aujourd'hui on se retrouve pas pour un jeu vidéo, pas pour un gameplay, pas pour un playthrough, mais pour un tutoriel ou un tutoriel, hein, c'est comme vous voulez, sur After Effects, qui va donc vous permettre de modifier la couleur d'un camouflage. Donc là, vous, si vous jouez pas souvent, vous le voyez peut-être pas, mais ce camouflage vert n'existe pas. C'est moi qui l'ai fait avec After Effects. Donc avec cette technique, vous allez pouvoir courir, bouger, viser, tirer, même mourir. Et il n'y aura pas besoin de faire de l'image par image. Une fois que ce sera fait et ce sera bon tout le long du clip. Alors, ce tutoriel est entre guillemets une technique avancée, pas dans le sens où c'est plus compliqué, mais si vous voulez, j'ai vu beaucoup de tutoriels sur cet effet. Enfin, pas beaucoup de tutoriels, mais les deux tutoriels que j'ai vus sur cet effet, quand je le cherchais, faisaient que, par exemple, si mon camouflage est bleu, et que le ciel est bleu aussi, et que je veux rendre mon camouflage bleu vert, le ciel aussi va devenir vert. Et moi, j'avais trouvé ça assez embêtant, et donc je vous refais ce tutoriel qui a déjà été fait, parce que moi, j'ai trouvé une technique qui permet de faire en sorte que les autres, il n'y ait que l'arme qui change de couleur, et pas le reste de l'image, et en plus, assez facilement. Donc on va commencer. Donc vous prenez votre clip, vous créez une composition, donc ça, je pense que vous savez faire. Donc voilà. Ensuite, on va dans Effet, Correction colorimétrique, et on va dans Métamorphose de couleur. Vous prenez la pipette, la première pipette, celle qui est ici, et vous sélectionnez la couleur à modifier. Donc là, ça fait très moche, hein, on est bien d'accord, ça fait très moche. Et puis, je vais pas prendre cette couleur-là. Je vais essayer... Vous essayez de... Voilà, vous prenez la couleur à modifier, hein, on s'en fout un peu de toute façon. Donc là, ça fait affreusement moche. Alors, ensuite, on clique sur le deuxième carré en bas, à côté de la deuxième pipette, et on met la couleur qu'on veut avoir sur l'arme. Donc admettons que je reveuille du vert, hop, je sélectionne du vert. Et là, c'est devenu vert, l'arme, bon, en partie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Normalement, on devrait dupliquer, mais moi j'y arrive pas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc on va refaire effet, correction colorimétrique, métamorphose de couleur. Et on recommence en choisissant une des couleurs qui n'a pas été changée. Celle-là. Non, pas celle-là. Donc on va prendre cette couleur-ci. Et on va mettre du vert. Et voilà. Et là, l'arme est vert en partie, même si on voit encore des petites pointes de bleu. On pourrait chipoter, mettre 45 000 fois l'effet, mais ça changerait pas grand chose. Alors là, vous voyez que le deuxième effet change légèrement la couleur du gant. Bon, ça, on peut rien y faire. Par contre, alors c'est soit on met pas de deuxième effet et il y a beaucoup de, il y a comme on voit quand même beaucoup de bleu au milieu du vert. Soit on le met et la teinte du gant change légèrement. Bon, moi, je trouve que c'est pas trop grave. On s'en aperçoit même pas. Bon, vous voyez que le ciel est devenu vert. Donc ça, c'est embêtant et on veut pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va prendre notre clip, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Et sur celui du dessous, on va désactiver, on va décocher là où il y a marqué FX. On désactive. Ensuite, on prend celui du dessus, on met l'outil plume, et on fait les contours à peu près, hein, vraiment à l'arrache, de l'arme. Voilà, et on referme. Bon, alors là, vous voyez déjà que le ciel est redevenu normal. Et quand on bouge, eh bien, ça ne fait rien et ça continue à être normal. Le problème, c'est qu'à un moment, je me mets à courir. Et là, à ce moment-là, mon arme sort du masque qu'on a tracé et du coup, elle n'est plus bleue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le calque du dessus et on va lui dire de s'arrêter à l'endroit où on commence à courir. Donc, on va dire à peu près ici. Et on va encore une fois faire CTRL-C, CTRL-V, prendre celui du dessous et on le duplique encore une fois. On lui dit de commencer là où l'autre s'arrête, comme ceci. On active l'effet, donc la petite case FX. Donc là, le ciel redevient vert. Mais c'est pas grave, on fait un autre masque où cette fois, on fait les contours de l'arme en position courir. Hop là. Et le ciel n'est plus vert et on peut continuer à courir et l'arme continue à être verte. Attendez, j'agrandis un petit peu le calque.
Voilà. Et l'arme continue à être verte. Ensuite, à ce moment-là, l'arme commence à sortir et je me mets à viser. Alors, on va faire un dernier masque. Alors là, c'est une petite astuce. Donc, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est qu'on prend j'allais dire de la merde. Donc, on recommence, on fait la technique, CTRL-C, CTRL-V. On dit à celui du dessus de commencer là où l'autre s'arrête. On active l'effet dessus. On fait à peu près un masque. Hop. Et là, je commence à viser. Et sur cette arme-là, comme on voit plus le camouflage quand on est en train de viser, on fait rien. Mais si jamais on voyait le camouflage, si vous utilisez une autre arme et que sur cette arme-là, on voit le camouflage alors qu'on est en train de viser, eh bien, il faudrait créer un autre masque. Il faudrait créer un autre masque et refaire à peu près le contour de l'arme en position visée pour que le camouflage soit toujours soit toujours de la couleur que vous souhaitez. Donc là, vous voyez, l'arme est verte, donc comme dans le premier truc que je vous ai montré. Et on peut bouger, on peut faire tout ce qu'on veut, je peux même mourir. Ça ne change absolument rien. Alors voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à repasser des passages si vous n'avez pas bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, envoyez-moi un message ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce vert à la vidéo si ça vous a plu, à la partager sur Facebook pour si ça vous a plu et que vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Parlez-en à vos amis, partagez-la sur Facebook ou sur Twitter ou sur n'importe quel réseau. Et si ça vous a vraiment plu, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne, vous abonner pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Voilà, à plus tout le monde.